Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien. Alhamdoulilah. Et moi, on va faire un unboxing d'un téléphone Yallah commandé là. Smitcho OnePlus 5. Donc voilà, c'est très bien l'équivalent de S8. Peut-être que c'est le nom. La seule carte, c'est que je suis un téléphone que j'aime bien. Donc, à tout moment, je vais vous montrer. On va faire le test ensemble, Inch'Allah. Bien, d'accord. How to call myself at the house? The logo deal one plus. Donc maintenant on a allumé. C'est avec empreinte aussi. Mmh. Donc, ouais. Donc l'écran, c'est un écran Full HD, donc de 5,5 pouces. Ah, voilà. Donc, pour l'instant très clean. Il y a un petit film protection, mais quand il y a un d'avant. Mais voilà, il y a un film de protection très fin. Ouais, ouais. Voilà. Donc, par rapport au processeur, on a la dernière génération des processeurs de chez Qualcomm. C'est plutôt le Snapdragon 835. Donc, regarde, les derniers téléphones ont le processeur. Ainsi, on peut voir pour la RAM, il y a 8 Go, donc c'est le téléphone avec le plus de RAM sur le marché. Donc 8 Go, c'est beaucoup. C'est-à-dire, ça détermine beaucoup d'applications. Le téléphone qui est hyper fluide. Donc de ce côté, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de bug, il n'y a pas de blocage de téléphone. Non, surtout le problème avec Android, c'est que le téléphone il chauffe. Ouais. Donc on a testé un peu, d'ouvrir plusieurs applications, le téléphone ne chauffe pas du tout. Concernant le stockage, donc la carte SD ou quelque chose comme ça, il y a 128 Go de RAM sur ce téléphone. Donc c'est énorme. C'est beaucoup. Il me semble que c'est le seul téléphone à proposer ça sur le marché. Donc également on peut mettre deux cartes SIM. Équipé de deux cartes SIM. Donc là haut. On a les gigas, donc 128 gigas. D'abord concernant l'appareil photo. On a un appareil photo de chez la marque DxO. Donc une marque spécialisée pour la photographie. Adna en caméra frontale, Adna 16 mégapixels contre 12 contre 8 chez le S8. Adna double à l'arrière, Adna double capteur photo. Donc de 20 mégapixels qui peut faire des vidéos en 4K à 30 fps ainsi que la slow motion, tout ce qui est nécessaire pour de la bonne photographie. Pour la batterie, la batterie donc de la marque chinoise a développé un système de batterie Smitsu Dash Charge. Donc tu peux charger ton téléphone en 30 minutes. Donc l'utilisation d'une journée de téléphone en 30 minutes de charge. Donc c'est énorme. Donc, niveau batterie, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on voit la caméra arrière. Concernant le poids, ça va, il n'est pas très lourd. Mais on a vu plus léger. Donc environ 150 grammes. Concernant l'Android... c'est l'une des dernières versions, donc Nougat, version 7.1. Donc pour ceux qui utilisent Android, vous avez l'habitude, donc en faisant ça, il y a la version d'Android, donc c'est Nougat. Le système, c'est un petit tour de magie de chez Android. On en joue d'abord. Top. Donc voilà. Parmi les sites spécialisés, a été reconnu comme l'un des téléphones qui pourrait concurrencer Apple et Samsung, voire même les dépasser. Donc c'est un téléphone très fiable.
ou surtout niveau prix. C'est le point fort de la marque, niveau prix c'est très bas. Pour qu'il y ait deux versions de le téléphone, il y a la version 64 Go de stockage avec 4 Go de RAM, ou la version qu'on a ici, 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Donc la version qu'on a achetée, elle coûte 560 €, ou la version de Lula, 500 €, plus précisément 500 €. Voilà. Contre 800 € à la S8, donc pour un téléphone qui est égal à Ada, c'est très cher. Donc vous pouvez pas être déçu ou dérouler les économies pour un bon téléphone. On mise à peu près 300 € pour Exactement. contre le S8. Exactement. Donc là, on voit Voilà donc l'interface. l'interface C'est à peu près assez simple. bhal ديال الصوني. Ce qui est bien avec Android, tu peux personnaliser. Ouais. L'interface, tu mets celle que tu veux, tu le télécharges ou voilà. Ou là, tu mets un OS différent, toujours sur Android. C'est ça l'avantage d'Android, même Apple. Donc alors, on retrouve les différentes options qu'une mode nocturne. Ça, on testera évidemment nocturne. De poche, la luminosité de celle-ci 4 bougies. Donc lumineux. Voilà. Donc c'est très l'écran pas mal. Jusqu'à on voit rien. Ouais. Donc la présentation de ça, le OnePlus 5, un téléphone prometteur, justement qui a fait ses preuves avec les anciennes versions. Et un très bon choix. Parmi le S8 ou l'Apple, c'est un très bon choix. Justement, on avait acheté à Dal, que je possède actuellement, c'est le OnePlus 1, donc le premier téléphone sur la série. Des 3 ans à Andy, il est toujours aussi fluide. Donc voilà. Très, très, très content de cette marque. Pas déçu. Voilà. Donc voilà, maintenant je peux y mener surtout Anna, c'est que je vais tester la caméra d'hier, donc après le caméra d'ici 3, 2, 1. Donc voilà la différence d'hier. خليكم تقولوا لي في الكومنتير شكون اللي احسن، واش السامسونج اس 7 ايدج ولا الوان بلس 5. دونك انتما كتشوفوا معايا، جو سي با انا مازال ما شفت، نوريكم شويه برا. هاكا مع ليكليراج غادي يبان مزيان. وي نشوفوا الزوم باغ اكزومبل. اوكي وصلت ل 8 فوا 8 زوم. رجعت الكاميرا ديالي لعسات. دونك فوالا كومباريزون مع لو وان بلس 5. دونك فوالا جاتني شويه الكاميرا شويه يعني اذا تحسن منه في الصور، المهم في كوتي فيديو جاني احسن منه شي شويه ديال التشاش كان فيه كوتي ايماج كي صور مزيان عجبني في الزوم وفي كل شيء. دونك المهم اون غرو ان تيليفون بهذا لو بري هذا بهذا لي كاركتيرستيك اللي فيه سورتو اللي بارني بزاف هو لا كاباسيتي ديال ستوكاج ديالو 128 جيجا. جاتني سي فريمون انورم. ليكرون فول اتش دي 5.5 بوص فريمون فهمتيني لي بو افوار زوين بزاف في الشتا. هادي عطينا واحد لاكوكتا هي ديالو مزيانه. دونك صراحه يستاهل يستاهل. Donc il y aura un smartphone chez Hajazama, genre pas trop cher ou... Tu as tiré rien internet, le site d'Elon. Le truc, les Kain, c'est que je ne sais pas si tu as tiré un magasin ou une boutique. Tu as tiré rien sur internet. Donc le site d'Elon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère bien qu'on a de la vidéo. J'espère qu'on a la vidéo. Laissez un petit j'aime, laissez un petit j'aime, abonnez-vous. Voilà. Je vous retrouve dans la vidéo prochaine, Charles.